qu'arrête ou moi me lâcher. J'ai des papilles, c'est des malades, hein. So, je peux vous aider, Fräulein. Ach, comme ça. Et vous êtes Heinrich Krökensmeister der Sperlingen von Berlin. Enchanté, ravi de vous rencontrer, Naya. Ja, je ne vous ai pas quitté des yeux durant toute la pièce. Vous me semblez être dans un état de conscience très différent de vos camarades. Quel est votre secret? Je suis suspendu à vos lèvres. Enfin, je veux dire, toute la Bundesrepublik von Deutschland est suspendue à vos lèvres. Je sais pas comment vous faites, mais j'ai trop mal aux pieds. Oh, ma pauvre. Oh, ça fait 15 minutes que je marche avec, mais j'ai bien fait. C'est évident de marcher avec. Tu devrais essayer. Par contre, j'ai un problème, je sais pas comment ça se met, ça. Je sais surtout pas à quoi ça sert, surtout. Ah, d'accord, d'accord. Hé, hey, Hubert, j'ai regardé la liste des raisins, t'as personne depuis un mois. Comment ça se fait? Justement, je sais pas. C'est l'hiver, hein. Peut-être qu'ils hibernent. Ouais, c'est ça, j'aurais pas dû faire un one man pour des marmottes. Ah. Mais enfin, maintenant que tu sais, tu peux rebondir là-dessus, tu vois. Ça qui est bien. Ça y est. On parle de nous, juste là, écoutez. Théâtre à l'activité troublante, puisqu'il y a 2 mois, lors de la représentation d'Art et d'essai de La Vierge et le Cafard, une comédienne est morte sur scène. À côté. Elle voulait mourir sur scène, mais c'est à côté. Non mais vous vous rendez compte? D'art et d'essai. Je suis un metteur en scène d'art et d'essai. Oui, enfin plus d'essai que d'art. Faut que j'appelle ma mère. Dis que ça. Oui, après Roger prend toute la place. Comment ça Roger prend toute la place? Drogue et mafia dans un théâtre parisien. Roger Lamour. Non mais attends, 45 ans. Pas ça, j'ai pas ça, c'est secondaire. Théâtre Le Roi Noir, un théâtre sans prétention du 18e arrondissement, était en fait le contact d'un réseau d'Europe de l'Est basé en Albanie, spécialisé dans le trafic de femmes, d'armes et de stupéfiants. Sans déconner, c'est Lamour son nom de famille. L'amour. Le théâtre servait de plaque tournante à des produits illicites de trafiquants albanais. C'est pour ça qu'ils ne viraient pas de la programmation. Il servait de nous comme couverture. Je me sens tellement violée. Non, mais c'est parce que la pièce était très bien et t'es laissé ça. Tu le savais. William, tu le savais. Bon, écoute, tu savais qu'il traficotait un peu, mais bon... Je suis pas sûr que tu te rendes bien compte de ce qu'il faille faire pour avoir une salle aujourd'hui. Surtout pour un metteur en scène d'art et d'essai, incompris tel que moi. Ils ont retrouvé 10 kilos de cocaïne pure et 45 kilos de marijuana dans les fauteuils du théâtre. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on a des nouveaux fauteuils alors. Je suis pas sûr que ça nous fasse une très bonne pub. Y a pas de mauvaise com, on parle de nous. C'est déjà énorme. Ah, bah il parle aussi des vins. Hein. Au-delà de ses talents de comédienne hors pair, c'est avec brio qu'elle est parvenue à reprendre la gestion de ce joli petit théâtre. À ses côtés pour prendre la direction, un sous-marin échoué au large de l'Espagne. Oh, c'est énorme ça. Ah, salope. Elle aussi, elle savait, je suis sûr qu'elle s'est tapé le journaliste. Pour sauver son cul, on parle du journaliste, mais pour la pièce, il n'y a plus personne. Petit cul, petit cul. Petite Mimi, qui a droit à une toute petite photo. Oh, écoute, hein, ça fait 2 mois qu'elle est morte, taradasse, là. Enfin, je veux dire, sois pas si négatif. Tu vires ma femme, t'insultes ma copine morte, tu vas bientôt la prendre, celle-là, tu sais ça. Eh bien, continue, pense qu'à faire. Mais retenez-moi, arrête. Retenez-moi. Ulrich, lâche-moi. Eh, hey, vous savez Ulrich, que mon grand-père était sous-marinier pendant la seconde guerre. Ah, Ulrich, ça va pas trop. Lâche-moi, lâche-moi. Ok, bande de nazes, maintenant que Gros Minet est au pénitencier, c'est Kitty qui tient les rênes. À partir d'aujourd'hui, dans ce théâtre, c'est moi, votre pire cauchemar. Ton pire cauchemar. Je reviendrai. Ça brûle. Mais attendez-moi, attendez-moi. Ils ont pas payé le dé? Mais t'es conne ou quoi toi? Allô? Vous n'avez pas respecté le deal. Nous ne sommes pas prêts. Quel deal? Roger, vous devez tout faire péter à 20h il y a un mois. Nos rabatteurs ne sont plus à leur poste. À cause de vous, ils sont retournés au pays. Attendez. Notre contrat est caduc. Nous allons venir récupérer notre coke. Non, mais je suis pas Roger. C'est Hubert. Hubert? Allô?
fous dans mon théâtre? Non mais c'est un accessoire pour mon show. C'est toi qui fais sauter le quartier? Non mais pas du tout, là, qu'est-ce que tu racontes? T'es un terroriste? Fais pas péter le deal. Quel deal? Je vais tout faire péter à 20h. Écoutez, nous allons venir récupérer la coke. Elle m'a sniffé ma coke. Je l'ai mangée. Mèche avec Roger. Non, mais j'ai rien à voir avec son histoire là. Non mais c'est pas vrai. T'as rien à voir, c'est ta coke mais t'as rien à voir. Mais c'était un deal quoi. Il remplissait ma salle et en contrepartie, bah je lui passais ses colis quoi. Et ses colis c'est de la coke, c'est tout. Je l'ai mangé. Oh mais on a tout avalé là, vas-y recrache. Tu vas recracher tout de suite. Allez, vas-y, vomis. Tu vas vomir. Tu vas vomir, toi, tu vas voir. Allez. Donc tes complices, tu sais que ça va chercher loin ça. Bah écoute, je sais pas que c'est de la coke moi. Aïe. Ah, m'a mordu la salope. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Rien du tout. C'est rien que ça, Hubert. Hein. Tu viens quand même de me dire que tu étais prêt à échanger nos créneaux horaires. N'est-ce pas, Hubert? C'est vrai, moi je joue à 20h30? Oui, et moi à 18h30. Oh, merci, Hubert. Oh, t'es trop chou. Je savais que t'étais un chic type. Ah oui, il est trop chou. Ouais, c'est ça. Bon, excusez-moi. Tu sais que je commence à bien aimer ton petit cul de directrice, toi. Merci. Comme ça. La cancha. Je t'avais dit que tu serais de retour. Non, Myriam, je t'exorcise. Quoi? T'es rentré en communication avec elle? Oh, Ulrich, oh mon précieux. Mais ferme ta gueule, qu'est-ce qu'elle t'a dit là? Ulrich, oh je t'aime Ulrich. Mon secret, je ne porte jamais de soutien-gorge. Oh, vous m'avez l'air d'être une petite coquine. A cancha, ça veut dire désir. Et a cancha, elle aime beaucoup les Allemands. Oh. C'est toi, Hubert? Oui, pourquoi? Tu veux mon autographe? Non, je veux juste le colis. Le colis? Oui. Je vois pas de quoi vous parlez. Non? Non. Attendez. Ah, mais d'accord, ce colis.